Deuxième bulletin de formation nous qui entre la caillou, pas oublier sous à peine connecté sous canal ça ou connecté sous TV la caillou, n'a dit bonjour, bien bonsoir de madame Mandela ou disponible pour assister vidéo ça sous canal Pola et n'a profité un petit temps tout court pour nous remercier chaque grand citoyen, chaque grand et compatriote quel que soit côté ou dans monde ça qui toujours supporte canal ça, n'a dit merci pour fidélité ou avec patience ou n'a dit merci le fait que vous abonnez ou like ou partage et commenter nous content le fait que et bien gagne des monde qui au même content travail là et qui continue à supporter nous dit merci inviter une famille amis compatriotes tout venir abonner avec quand TV la caille n'a font coup de patte dans pays voisin et bien hier lundi qui était 13 juin 2021 yo ressortissant haïtien perdu la ville en bas balle militaire. Et selon ça, nous avons comme information, militaire ça a 3 militaires dominicains. Et bien, dans une zone qui, donc, est portée non, Rosa, qui trouvait dans la section Maragual. Et bien, frère, nous, haïtiens, ça, qui lui-même perdit la ville en bas, mais 3 soldats ou bien 3 militaires dominicains, ça, yo, qui t'a fait une balle et une balle coûte manchette. Et c'est comme ça, nous perdit, frère, ça, dans le pays voisin. Dossier transition, dossier pouvoir dans le pays d'Haïti. Jean-Bertrand Aristide, ancien président Aristide là, c'est lui-même qui sous toile là pour ta vie président pays d'Haïti. Et bien selon un pile chita qui fait plan décidé pour eux-mêmes mettre Jean-Bertrand Aristide, donc on est qui fait 2 mandats déjà et qui pas ta même qu'à vin président encore. Et bien mesdames et messieurs, dans le moment on a parlé là, Aristide semble c'est lui-même qui a vin président provisoire pays d'Haïti pour nous dire. Eh bien, pour retirer Haïti dans salle de journée aujourd'hui, est-ce que Titi dans nous est là capable de s'y ajouter ça? Eh bien, c'est sous question ça. Louko Desi avec ancien sénateur Assad Volsi, eh bien, pas mettre de l'eau dans le bouchon pour traiter dossier ça. Et là, il y a toute vérité sur ancien président Matéli qui lui-même, eh bien, était rencontré Jean-Bertrand Aristide et n'a fait une belle rencontre, une belle chute à parler. On dirait que Matéli. Eh bien, qui est même temps d'accord là pour Titi de venir président et provisoire PIA. En tout cas, nous allons inviter tout le détail ça. Mesdames et messieurs, restez connectés. Bonne écoute tout le monde. N'a pas tourné. Personnellement, je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Même faire fort pour moi là. Parce que, dans le matin de débat, nous mettons toute force, nous mettons toute énergie pour nous permettre que vous compreniez plus bien ce qui a passé dans le pays, la réelle politique là. Mais il y a des jours, c'est comme si. N'a cordé et puis gon moun gon groupe de moun k'ap décordé. Et n'a petit Aristide doy là ou gon petit sous président Aristide. C'est là dans rue là. Pendant la zone. Ça k'ap parlé dans la rue. C'est bagaille drôle net, mais moi-même trouver son bataille politique. Information gen louko, c'est bagaille politique. Bien son bagaille politique parce que son réponse alors, on pas dit c'est vrai. En donté là dans même matin là tout Haïti politique dossier restitution réparation. Où en est-on? L'ancien président Jean-Bertrand Aristide sera-t-il un acteur important dans la démarche des États-Unis contre la France? Eh bien, information nous gagne. Peut-être qu'on attend le non-sens. Mais depuis, nous dans l'arrière. Gon parle. Son réponse. Correct. Ou bien 184. Son réponse. À moun qui te baye Aristide coup d'état. Dernier coup d'état c'est 2000 dernier coup d'état Aristide prend. En 2003 2004. Son réponse à ça. Eh bien. Ça veut dire que ISO pour équipe la travail là. C'est un job là le fait. ISO. Oui. Son job il fait. OK. Parce que pour équipe par eux pour base par eux. Eh bien. Parce que automatiquement nouvelle Aristide. Bon, possibilité. Aristide. Correct. Donc, son réponse. Correct. Pour bloquer bagaille là. Il dit que son réponse, ouais, le tribunal là, paquet, bagaille. Son gros déclaration, il bien maintenant. Non, je pas fait déclaration. Je ne vais pas faire information. Pendant 2-3 jours, je m'entendais bagaille là. Eh bien. Et puis, moi-même, je m'a réfléchi. Je me dis, si son réponse politique, correct. Ou pas qu'à empêcher, il semble là. Eh bien. Et bon, yo clair, yo dou c'est équipe Matéli, équipe tête calée, c'est son réponse, ben yo pas prendre ici. Correct. Est-ce que yo pas gain droit dire yo pas prendre ici là? Oui, yo gain droit dire. Bien. Est-ce qu'on assemble dou là, oui?
Maintenant, on doit dire, yo pas ta craser ceci, yo pas ta craser cela. Mais si moun n'a fait politique louko, et je dis, il y a moyen, il y a ou même deux mots, la force. La force, très bien. Eh bien, si il y a force, non, mais il y a une nouvelle, il y a une équipe souterrain, eh bien, il y a c'est là pour yo moyen pour. Pour moun kap vini avec Aristide qui veut proposer yo goy. Yo ka getan ouais depuis yo cité non seulement c'est ça bagay là hein très bien très bien alors d'après on pri le moun depuis yo cité non Aristide la pays a commencé chaud très bien et c'est pour pas vini avec et de fait pendant weekend non après que on ne parle que de ça ouais ça veut dire que l'on a fait politique il vient gen moyen nan men gen des bagay ou pas ka empêcher très bien c'est intérêt on nous regarde madame monsieur c'est intérêt très bien c'est intérêt donc c'est intérêt équipe qui campait des ISO, c'est équipe, même équipe yoye. Donc, yo voyez, elle fait mouvement ça justement pour faire peur. Très bien. Ou bien pour bloquer à moun qui voulait venir à Karis. Très bien. Son réponse. On garde, madame. Voilà son réponse. On garde, madame, monsieur. Et émission Martin Débat, après que nous pratiquement fait une semaine, Paul Jean-Bertrand Aristide a parlé sur les réseaux sociaux. Et ça a eu de vin dans l'effleuré question. Mais ça dépend du temps pour nous comprendre, pour nous être capables d'analyser. Pas oublier, dans le dossier restitution et réparation, nous t'ai dit dans l'émission Matin Débat, et nous t'ai clair sur lui. Depuis que causé ça, parole restitution et réparation vient sous table, moi t'ai dit l'ouko de dire que Haïti vient plus en danger. Et me déclare sur ça, nous te fait commenter sur lui. Nous te dit que Haïti fait un problème. Et nous t'explique côté problème nous capable de commencer. Parce que jodi a, nous avons parlé de presque 115 milliards de dollars américains. Nous te dit clairement, au monde qui a 115 milliards de dollars américains pour le taper dans l'autre pays, son milliard seulement besoin pour renverser la vapeur. Alors, pas mettre un milliard de dollars pour un milliard de dollars dehors pour le capable casser faire et couvrir ça. Et qui est-ce qui t'a payé les conséquences là? Donc le peuple haïtien. Et même Jean, dans le dossier Petro-Caribé, n'a pas parlé d'un jeu de 4 milliards de dollars. Mais ceux qui gagotent l'argent Petro-Caribé, si c'est 2 millions, 3 millions, 100 millions de dollars pour mettre dehors, pour faire un dossier ça, il pas faire. Qui est-ce qui a pris 4 milliards de dollars dans mail et puis qui va chuter et puis qui a quitté au poté minot dans mail? Jim Guess. Et n'est-ce qu'il y a une équipe? Tout n'est qu'il y a une équipe à terre. Donc, comprenez Jodia. Pour qui ça que Jodia, la justice a l'écrasé dans le pays? Il n'y a pas de si bagay qui a passé dans le pays là, non? Pour qui ça tribunal l'a écrasé? Pour qui ça paquet l'a écrasé? Pour qui ça chaque minute, chaque jour, tendez que vous cassez le paquet? Pour qui ça, madame, monsieur? C'est pour justement yo disparaître des dossiers, c'est justement pour des dossiers disparaître. Qui était en monde qui était en groupe gain pour l'écraser paquet? Qui était en groupe gain qui était en monde pour l'encasser tribunal? Gnetel gain ces dossiers qui là yo, faut que dossier ça disparaître. Parce que personne monde là qui gain l'argent dans même que le faut aller dans l'état. Qui va quitter l'État sans encore venir mettre minot dans mel s'il gain capacité pour le payer pour craser système là. Madame monsieur ouais question restitution réparation m'te dit l'émission entre débat et m'a répété encore matin Haïti fait en danger là et dit problème nous fait commencer. Nous t'attend des problèmes bon beaucoup j'aime dans problème c'est qu'on a des problèmes. Qui t'expliquer encore Jodia, m'pa konnen fò nan gade vidéo ke mwen ki an boucle. Depi avant hier m'ap gade vidéo sa ki sou réseaux sociaux ben maintenant tout. La visite de l'ancien président Joseph Michel Martelly, président d'alors, en la résidence privée de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide. Vidéo sa li tout sou tout réseaux sociaux. Mais son visite, monsieur, t'as fait à plusieurs présidents. Pierre Martin. C'est pas ici seulement. C'est pas ici seulement. Visite ancien président Joseph Michel Martelly, qui était président d'alors, qui t'a rendu visite à Jean-Bertrand Aristide, ancien président donc, de la République, à toute madame.
Dans la visite là, si on regarde les vidéos, parce que le président Jean-Marc Aristide finit de parler. Dans l'intervention du président Aristide là, il y a deux bagailles qui attirent l'attention. Et qui ne sont pas innocents. Le premier qui attire l'attention, c'est que Jean-Marc Aristide dit que l'ontime moun fait. Il y a plusieurs possibilités pour communiquer à l'autre monde. On parle de neurone. Et que il y a 1,8 million de won comme ça. Et c'est comme si des cadeaux sont message direct qu'il te voyait donc au président Joseph Michel Martelly. Peut-être que dans un moment, on ne peut pas comprendre. Mais parole, je mettrai là, c'est clair. Il te dit que Michel Martelly sont Timoun, mais Timoun, ça a sous-quitté le bas l'espace. La fois pile de gars. Alors, attendez le bouet. Et puis, qu'on y a, les présidents, si tu ne parles, président Martin, il balle la main, et puis il baille président Martin, il petit tape sous mêle. On a le dit ça. Ah, regarde la vidéo, il là, regarde elle. Les présidents, je ne parle pas, si tu ne parles, président Joseph Michel Martin, il balle la main, et puis je ne parle pas, si tu balles Martin, il la main. Et puis, il baille Matéli un petit tap. Ha! Après, Matéli dans tout. C'est Timoun ou font bosser. Pendant, monsieur, moi-même, écoutez, c'est grand monde qui est moi-même. Et ça fait nous qui est Matéli débat. Alors, regardez la vidéo à vous. Le président a essayé de parler de Timoun. OK? Et il dit, yon Timoun, mais ça le café. Donc, sous qui est Timoun, non, il a fait le dégât. Il t'a pas adressé la président Joseph Michel Martelly. L'elle fin parler, président Martelly balle la main et puis il baille président Martelly un petit tap sous main. Pap. Je vais pas ici deux. Donc c'est pour vous dire madame monsieur. Dossier restitution et réparation, je vous le dire honnêtement. Si je m'attends ici comment ce président accepter pour le temps entrer dans jouette États-Unis à la France là, m'a dit bien. Si Jean-Marc Aristide, ancien président, docteur Jean-Marc Aristide, t'as accepté rentrer dans un jouet là, la bombe vous paye à d'une barre. Si, m'a répété encore pour nous, dans le dossier institution réparation, parole ouais qui sous table là que Jean-Marc Aristide qui a vu le prochain président provisoire d'Haïti. Si Jean-Marc Aristide, le docteur Jean-Marc Aristide, ancien président de la République, t'as accepté rentrer dans jouet là pour t'accepter proposition pour David président provisoire là dans dossier restitution réparation bon côté la bon pour pays mais gon l'autre côté le pas beau parce que pas grand pile bataille comment la bon pour pays vu que je m'adresse ici jusqu'à présent qu'a dit c'est seul président qui t'a osé mander la France l'argent jusqu'à ce que la France Maré saucisse avec des moun dans le pays qui sont des complices pour bail coup d'état donc à Jean-Marc Aristide. Donc si Jean-Marc Aristide a d'accord entre dans jouer États-Unis, m'baba nous menti, la vie nous quand même. M'baba nous menti, la vie nous quand même. La France a obligé de payer quand même avec Jean-Marc Aristide. Ça me clair sous ça. Ma kon nan ki nivou le kaye, nan combien de temps comme la capable vinn jwenn Haïti, nan combien de temps la France tap vini pas d'accord que effectivement ou do Haïti comme la men ki j'on va le payer. Mais si Jean-Marc Aristide, ancien président de la République, t'as d'accord entré nan jwenn États-Unis, soi-disant, Paul ka parle pou t'as vinn président provisoire, son la bobo Haïti d'une barre, en côté la bobo Haïti. Parce que la question de restitution et réparation, vu que tu as initié la question ça déjà, donc sur le plan international, et de fait, je dis à Koda, Kokouba, d'accord, on gloire à Kalé à Jean-Marc Aristide, parce que je dis en 2022, la question est donc revenue sur la table. C'est-à-dire que si Aristide est d'accord avec la proposition ça, la Bobo Haïti est au côté. Mais de l'autre côté, le pays n'a pas le casé. Il commence, c'est depuis n'importe quoi que c'est annoncé là, c'est. Alors est-ce que la France, tellement. Donc j'ai dit que la France qui t'a investi, qui t'a investi pour coup d'état 2014, il va y être comme ça. Ah mais ça me doute.
on la faisait. Déjà, il y a une équipe souterrain déjà. Très bien. Qui te travaille pour lui en 2004. Quoi, voilà. Comme si il parlait de comme ça. Ok, voilà. Automatiquement, on ne parle pas attaqué. Ah, voilà. Voilà, voilà. Vous avez dit, madame, monsieur, Gogo, tu es là pour Haïti, avec Jimmy Dalicide. Je suis pas économique. Ouais, Haïti, le tout, on est là comme président, Baba, nous mentionnons que sur les titres de réparation, ça. Côté que le backup américain, la France a payé l'argent quand même. Mais de notre côté, pays a casé. Et de fait, quoi, ça commence à faire. Pas grand chose fait dans le pays, pas au hasard. Soit aux alliés. Pas grand chose fait dans le pays, pas au hasard. Donc, courant encore un pays, pas grand chose, il n'y a pas au hasard. Fais noir, quoi, dans le pays, là, madame, monsieur, il n'y a pas au hasard. Sauter à l'électrique, quoi, Jovenel Moïse, qui est dans l'Ouméo. Je dis à qui pas fonctionnel, il n'y a pas au hasard, madame, monsieur. Pas grand chose fait dans le pays, madame, monsieur, pas au hasard. Côté le pape, bon, côté que le pays, pas le cas, ça, bon, dis nous rapidement. On a émis ce matin débat. Le matin débat est là. Son hésa. Si vous moun là, qui c'est adversaire direct de l'ancien président Joseph et de l'ancien président Jean-Marie Aristide, il est Joseph Michel Matéli. Ma bonne idée pour nous. Si vous moun là, qui c'est adversaire direct de l'ancien président Jean-Marie Aristide, l'irélé Joseph Michel Matéli. Si vous moun là, que l'ancien président Joseph Michel Matéli, père Kouchat, l'irélé l'ancien président Jean-Marie Aristide. Matéli, ben, monsieur Kouchat. Mais t'es tout cloche, moi. Cloche! Allez, hein. Pas peine que son gène de mouda, ben, parce que y a tous les deux jotis là. Et chaque connerie qu'on connaît, Baïk Maria a été là dans le temps. Matéli gen baï nan men la. Population avec Matéli baï nan men. Pe maten da tout. Population a été metté. Pe maten da tout. C'est lou konnen si ka pale nan men. Gen baï nan men. OK. Si gon moun nan Joseph Michel Matéli, c'est président de la République, a veillé que Joseph Michel Matéli perd contact politiquement. Il relève ancien président Jean-Marie Aristide. Si gon moun nan qui c'est ennemi direct de l'ancien président Jean-Marie Aristide et Joseph Michel Matéli. Et yon tous les deux, chat connaît, rat connaît, Baïk Maria a prêté dans le temps. Parce que là, pas menti. Souvent les copains comprennent. Son bataille là, entre bandit légal et bandit légal là, vle disa vle disa, avec rat pa kaka. Et rat pa kaka vle disa vle disa. Gout a dit bandit légal, est-ce qu'on l'avait dit? Bandit légal lui dit que ZAM, l'agent, bandit légal lui dit que Negla la li son nègre légal. Il pas bon parce que c'est sous ZAM ni le compte. On t'a dit Rat Pakaka, Rat Pakaka, m'pap bon menti, c'est ZAM. Ça fait moi dit nous que entre Jean-Marie Aristide et Joseph Michel Matéli, ils ont tous les deux connus. Chaque connu, rat connu, bah avec moi, y'a campé là. Mais bagala, madame, monsieur. Pour qui ça d'après nous-mêmes? Malgré que docteur Ariel Henry, papa, président Michel Matéli, ancien président Michel Matéli, tout ça, t'as doué Bali. Président Matéli, quoi, c'est bral? D'après nous-mêmes, c'est chauffer, président Matéli, Bataka, chauffer Ariel Henry. Non. Ancien président Joseph Michel Matéli, pas voulu à chauffer Ariel Henry pour se laver à ce qui peut pouvoir. Il pas voulu. Parce que, après Ariel Henry, président Matéli, pas qu'on est ça qui vient après. Il pas voulu al saccage Ariel. Et puis, pour ce lavarasse qui vient de pouvoir. Donc, ça veut dire que ça, madame, monsieur. L'autre des possibilités pour Jean-Marie Aristide d'avoir président provisoire. Pele, pepe, pele, pepe. Alors, moi-même, je vais me dire, je vais dire là. Président Matéli, il a pouvoir dans le même. Président Aristide, il a pouvoir dans le même. L'OA peine soutenant pouvoir. Sans faire des privés, non. Non, sans faire des privés. Non, sans faire des privés. Non, Matéli. Matéli. Yo tout là de pouvoir dans là. Matéli n'a pou. Non, privé à tout. Il y a l'OA moins. Il y a l'OA moins. OK, yo tout là de pouvoir dans là. Par exemple, je dis à sous ta main de Matéli entre Aristide et privé. Qui est-ce là passé Pierre Melab de privé? Bien. Parce que les cas deal à privé. C'est normal. Le deal déjà. Normal. Ouais, ça me dit là.
Mais gon bagay ko di. Moi pensé président Matéli gen un pile bagay nan mel. Mm-hmm. Parce que quand même gen pile nèg la valas ou bien famille la valas qui t'étaient en désorganisé, démobilisé. Oui, oui. C'est clair. Comment ça veut dire là désorganisé, démobilisé? Clair. Mais écoutez, bandi légal là toujours vivant. C'est clair. Et yo gen bagay nan men, c'est pouvoir. Non, ça c'est clair. Mais c'est pas mais comme c'est pouvoir yo. Yo à peine de cap do bon président. M'pa vle pour minimiser donc Non, m'pa minimiser. Moi-même moi connaître. C'est gon bout de corde. Je vais te dire gen amel jusqu'à présent dans pays. M'pa minimiser. Non, nous connaissons. Les gon bout de corde dans mon. Le m'dou que nèg famille nèg la nèg toute équipe qui était ensemble avec le président Aristide, gagné qui mourit, gagné qui quitte pays a, gagné qui était démobilisé. Là du bout de corde là monsieur. Yo chagain blanc, il dit blanc inclus dans bout de corde là. Elle dit gon manette que le gagné même. Oui. OK, qui gagne toute bagarre la donne. Mais moi-même ça me voulait dire c'est que équipe bandit légal là, puis vivant, il plus visible. Mm-hmm. Il plus visible. Alors, c'est le mot, il plus oui. Visible. Il plus visible, ça dit que. Au plus qu'à Well. Il est présent, il est là. Il est là. Et, comme jusqu'à présent, il a investi. C'est bien. Non. À terre là. Vous comprenez, ça me dit là. Et, président Matéli, il a plus intérêt. Mm-hmm. On va parler des pays. On va parler des politiques avec les batailles. Vous comprenez? Il y a plus intérêt à ce que, après Jovenel, d'ailleurs, c'est bataille par là, ça. Mm-hmm. Si c'est pas lui, c'est un proche lui. Très bien. Et bataille, ah, écoutez, ça. Si c'est pas lui, c'est proche lui. Il y a plus intérêt. Vous comprenez ça, les dollars? Très bien. Il y a plus intérêt, il y a plus à perdre. S'il te vle vague sous politique, on est fin passé président. S'il te vle vague, il a vague. D'ailleurs, il n'est pas obligé à habiter ici. Avant, il était en out. Après, il est toujours en out. Vous comprenez? Il dit que pays étranger, États-Unis ici. États-Unis. Donc, s'il te vle consenti, et ça me dit, bon, population et ballon bénédiction, son bénédiction, mm-hmm. Est au président. Même si vous pouvez le dire, c'est un tel qui te fait, c'est États-Unis. Mais quand même, s'il n'est pas de candidat, la population n'a pas de courir d'elle, elle est candidat. Il n'y a pas de faire manifestation contre lui. Donc, ça, les populations, nous rappelons quand même, avec en face et Milan, qui ça, surtout, mesdames, qui ont chanté dans la rara, dans la rue. Vous comprenez, ça veut dire, bayo kokayo. Donc, ça veut dire que, le président Matéli, puisque le jugé, bon, en tout cas, c'est ça, nous, ouais. Ça qui est visible. C'est lui toujours en bataille. Toujours en bataille. Donc, s'il est toujours en bataille, c'est parce que l'estimé que le conseil d'intérêt qui fait toujours en bataille. Très bien. Est-ce qu'il y a intérêt à ce pays? Non. Mais il y a intérêt familial, peut-être. Oui, non, phase bataille, là, c'est qu'il n'y a pas fait bac. Oui, il n'y a parce que là, bon. Là c'est point de faire pas mort. Bon, écoutez. Okay. Moi, je ne dis pas qu'il n'y a pas fait bac. Point de faire pas mort. Parce que quand il y a un qui tape président en place Matélique. Président après Jovenel qui va continuer à faire bataille l'affaire. Mais face à Jean-Baptiste, président Matéli, plus dans position qui est plus fragile. Voilà. Et ça fait comme si l'on politiquement ou pas qu'à condamner Matéli. Correct. Bah, ils sont en bataille d'intérêt. Mm-hmm. On fait une bataille d'intérêt. C'est une bataille d'intérêt. C'est intérêt. Clair. Moi, je ne vais pas représenter l'intérêt. Clair. Mais c'est une bataille d'intérêt l'affaire. Non, tout ça, là, que ce soit du côté de Jean-Baptiste, que ce soit du côté de président Jean-Baptiste, c'est intérêt lié. Mais nous ne connaissons pas. C'est intérêt lié. Ça ne nous connaissons pas. C'est la population connaît. C'est eux-mêmes qui baillent messieurs aux amnames pour faire bataille ça. C'est sa population. La population en mi-temps. Mais c'est pour le connaître, c'est lui qui baille ZAM. Je ne parle pas d'économie. C'est lui-même qui baille les âmes, qui fait que la bataille s'est faite. Heureusement ou bien hélas, ce n'est pas bataille pays. Yeah, malheureusement. Malheureusement, ce n'est pas bataille pays. C'est ça nous tous t'as souhaité. Ouais. Mais ce n'est pas ça qu'on fait. Malheureusement. En tout cas, donc, question de ce point de vue. Et nous, comment ça passe? L'on peut y venir dans l'État, ça.
pas aucun bataille qui a fait pour le marché si c'est bataille pays. Dans l'État Haïti là, bataille là doué, bataille pays. Parce que son bagage qui crase. Faut qu'on solidarité, on unité pour nous d'accord son bagage pour nous lever. Mais c'est seul Jean pour nous sortir dans ça. Comment la faire lever? Et ça vraiment bien matin à tout. Faut qu'on équipe claire sur question qui a fait dépassement. Qui a une capacité pour faire tout le monde d'accord sur Haïti. Et ceci sans coquin, madame, monsieur. Sans coquin. Et ceci sans coquin. Sans coquin. Et c'est lui nous pour quoi. Parce que m'oublie que ça n'a pas le là, n'a pas le de intérêt interne. N'a pas gardé un jeu. Donc, interne, madame, monsieur. Mais est-ce que le plan international, est-ce que nous comptons là? Est-ce que nous comptons là? Je veux dire, comment dit si je vais travailler d'accord, je vais dans la logique États-Unis. PIAI pour Joe Biden. Parce que, comme étant donné que son monde qui était déjà venu à la question de restitution et réparation, et de fait, Joe Biden a crédit ça, la plus facile pour les États-Unis atterrit plus vite. Parce que la bataille États-Unis, son bataille avec la France sous question Ukraine. Ok? Mais là tout, il a profité de bataille ça pour faire clean-up. Madame, monsieur. Dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse, là, nous te dit ici en émission matin débat. Il y a l'aspect politique, il y a l'aspect économique. Nous te dit dans l'émission matin débat que assassinat président Jovenel Moïse, là, qui vient me permettre que je dis à l'international, là, lui profiter, tout font clean-up dans le pays sur le plan politique. Donc il faut éliminer en fait certains pions. Politiquement, madame, monsieur. Et ça faut regarder dans l'exode là, ou après, qui te qu'on parle dans la radio, qui pas qu'à parler encore dans la radio. Ou dans les yeux. Ou est-ce sur Twitter, oui. Ou est-ce que sur Facebook. Eh bien, fais-en parler dans le pays à Bueno. Gardez les gouttes de yo du tout. Parce que, gè pinga pour yon pas parler dans le pays à. Parce que blanc clair sous question. Il pas parler l'aide pour dans dossier Jovenel Moïse. Donc s'il faut faire le nettoyage et que des moun là qui connaît très bien nettoyage a fait. Go pouvoir te gagner hier, pas bien aujourd'hui, pas bien demain non plus. Donc dossier restitution réparation, il implique tout ça madame monsieur. Écoutez, c'est pas petit jouette qu'a vu là non. Comme politique, c'est pas grave faire, c'est pas faire tout monde petit. Mais j'espère que nous comprenons ça madame monsieur. Mais ça qui est là madame monsieur comme jouette comme situation pas bonne menti. Moi même pas malheureusement pas Haïti là dans tout débat sont en fait intérêt personnel, intérêt de groupe, intérêt de clan et puis intérêt international. Pas grave Haïti là même. Et ça fait moi te dit que depuis le temps des questions, restitution et réparation, on dit, Haïti en danger, c'est fini pour nous. Parce que la France politiquement, la joue tout donc en Haïti. Ok? Pour qui ça d'abord, même ambassade français, hein? Dans le débat contre restitution et réparation, comment c'est? Et puis il a rien de visite donc, à Jean-Baptiste Aristide. Pour qui ça? Ambassade français. Ambassade français même en Haïti. T'as rien de visite à Aristide? Oui. Ah bon? Il y a la fondation. Également l'hôpital là. Ah bon? Ouais. Pour qu'ils s'adaptent à nous-mêmes. Donc la France parlait de la voie croisée. Je dis que Aristide Jodia, comme ancien président de la République, après que lui encore retourné au cœur du débat. Si vous avez que ça qui vient là, bon pour lui, il y a les gens qui sont Aristide. Parce qu'il est ça, bon, il n'y a pas de débat, les gens qui sont Aristide. Je dis à la valance, qu'on d'accord ou pas d'accord, donc que la ville, dans le pays là, qui faut savoir la gagner encore dans le pays là. Sinon, peut-être au niveau de la capitale haïtienne. Mais à travers tout le pays, comme si dans les sections communales. Alors, tu veux dire, les gros forces nuisances. La balance est très affaiblie, madame monsieur. C'est la pnion. Là, dans la capitale, là, le Jean-Bertin Aristide sera-t-il président de la transition? C'est la question que l'on se pose depuis vendredi dernier. Question ça, il est enflammé, toile là. Je vais mettre une plus bonne photo, ça flou. Hein?
La question de Jean-Bertrand Aristide, mesdames et messieurs, depuis quelque temps, eh bien, sous tapis. Mais, pendant le week-end, non, Bikouri, nouvelle gagnée, que Madame Hélène Lalime débarqué par Jean-Bertrand Aristide. Sur tout réseau, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur réseau WhatsApp, yo, eh bien, c'est de ça seulement qu'on parle. Et, il y a plus loin, il y a un film colibri, que Hélène Lalime, la caille, Jean-Bertrand Aristide, eh bien, après, on compte là, voilà, enflammé parce que c'est Jean-Bertrand Aristide blanc entend pour faire diriger transition. La valace est maintenant enragé. Il partage les bagages un peu partout. Ils ont le vent en poupe parce que ça fait quelque temps qu'ils n'ont pas un pouvoir. Gagné qui commence à nicher point créole. Parce qu'on a valas dehors quelques jours. Mais en même temps, tout parallèlement, gagné les adversaires de la valas, notamment mon PHT Kayo, notamment l'autre quantité mou, les GNBIS, eh bien, ils ont paniqué. C'est un véritable, on est capable de dire, guerre pendant un week-end, non? D'un côté, les partisans de la valance qui ont fait promotion pour le retour de Jean-Bertrand Aristide au pouvoir, mais cette fois, ou l'autre fois encore, et de manière plus directe, côté que c'est blanc qui a mis, parce que c'est Manala Lakaeli. Donc, Aristide, ça veut dire qu'il s'est sorti de question d'élection. Hein? On est qui sont allés sur 1990, avec un radmaré, qui en l'an 2000, qui tourne sur le pouvoir, je vous dis, eh bien, il a annoncé que monsieur, c'est lui blanc qui a mis comme président pour diriger la transition. Guerre a éclaté pendant le week-end. Non? La valance, il y a pimpé vidéo, il y a pimpé les rabbis du discours Aristide, il y a pimpé M. Aristide. Et de l'autre côté, les adversaires de Jean-Bertrand Aristide a pimpé l'autre vidéo et bien pour montrer ça qui a gagné comme exaction sur le gouvernement La Valance. Je ne vais pas vous mentir, mesdames et messieurs, tout le monde, c'est un véritable gay. Hein? Maintenant, pendant le week-end, tout en pile. Médias, ou du moins blogueurs, ou du moins journalistes, ou du moins qui ont des micros dans le c'est pas tout le monde qui a des micros dans le monde, c'est des journalistes. Eh bien, ils ont dit toute qualité de bagaille. Il y a des gens qui ont essayé d'interpréter la conversation avec Aristide Mandela Lim. Il y a des gens qui disent que c'est clair que Blanc veut Aristide, mais il donne ce pouvoir. Eh bien, commentaire yo, avec interprétation était diverses et variées. Que dit-il exactement, mesdames et messieurs? Nous-mêmes, comme journalistes responsables, nous disons, bon, écoutez, parce que quand pile nous qui t'attend nous, après, il dit, à pas nous pas parler, à pas le rendez-vous, à pas ça pas dire. Mais écoutez, nous n'avons pas relayer rumeur. Il n'y a pas d'espace pour relayer rumeur, mesdames et messieurs. Nous disons, ben, nous prenons temps, nous, pour nous parler avec nous, pour nous attendre, pour nous comprendre. Il faut que nous nous rappelions. Ça qui passe dans le week-end là, qui fait prendre toute dimension ça, il fait suite aux articles du New York Times. Hein? Les articles du New York Times qui montraient l'implication de la France dans le coup d'État du 29 février 2004, qui devine par la valance déjà le vent en poupe, qui devine faire gêne, bisson, tigeant et replier, eh bien, le New York Times fait une sortie communiquée, fait une sortie 3 articles, 4 articles, ça, pour montrer comment Aristide est une victime, pour présenter Aristide comme un courageux qui a accepté à Fontainebleau pour demander la dette de l'indépendance. Et parmi nous, le New York Times, c'est un journal américain. Hein? Donc, ce sont des articles, de toute manière, qui mettaient la France en difficulté. Et nous dit, eh bien, là, États-Unis,
et bien bail la France on court. Et c'est sur même base ça aux États-Unis qui enlève le fait et la France va aller on a dit fait zéro nous rentrer dans votre poule pour que vous mettez avec ce président encore. Mais qu'est-ce que c'est exactement, mesdames et messieurs? J'ai parlé à des hommes, à des mines, très importants au niveau de la Valas. J'ai appelé Jean-Marc Aristide au téléphone, lui ai appelé sa secrétaire, il va répondre. Nous voulons question valide, il va répondre. Même à parler avec monde qui est très 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 proche de Jean-Marc Aristide. Qu'est-ce qui s'est passé, va nous dire? Effectivement, mesdames et messieurs, gagné Madame Lalime, qui était pour rendez-vous avec Jean-Marc Aristide. C'est pas pour dire comme c'est Madame Lalime débarqué, elle ouvre barrière pour lui. Non, c'est pas ça. Madame Lalime était rendez-vous avec Jean-Marc Aristide. Même j'en songeais semaine d'avant, il y a l'ambassadeur français en Haïti qui était à l'ON, Fondation Visite à l'ON, l'université de la Fondation Aristide Visite. Et forme depuis quelque temps, grand pile blanc, qui a consulté Jean-Marc Aristide, lui m'a donné la ligne lui-même qui a décidé à louer Jean-Marc Aristide. Tenez bien, madame la ligne débarque à 12 machines. Il a dit de faire spectacle la même. Parce que madame la ligne était capable, à la machine, au chauffeur, mesdames et messieurs, hein? Madame la ligne débarque à 12 machines, backup. Maintenant, il faut scandale. Et c'est dans ça qu'on a tiré attention. Nous sommes dans la zone. Mais écoutez, on a essayé de charger militants dans les cas ici. Même les cas de sécurité, c'est militant. Oui. Madame Lalime, en fait, car ici, mesdames et messieurs, il fait un lot de temps. Je vais être ici. C'est parce que ça m'apprend, tu es obligé. Tellement, monsieur, qu'on est sécurité ici, je suis sécurité qui est tellement frileux. Parce que vous êtes pris un coup 2004 là, déjà côté que Blanc était débarqué, tabac à lever Aristide, et bien Aristide était anticipé pour te calmer la sécurité, pour te faire des gens mettre un petit gens à pas, parce que les gens blancs dans la cour ici, donc un mauvais souvenir. Permettez que je me dise, mesdames et messieurs, qu'elle soit mon ou qui n'a entouré Aristide à la sécurité, quand c'est militant politique. C'est qui a guéri, c'est qui parle pour mourir, ou ici. C'est pas un jour, il y a une touille, tant qu'on quitte, tant qu'on tout elle, par contre, ça me dit, non? Eh bien, elle s'est obligée par la commission, pour l'annoncer, jamais la pralier, pour te calmer la situation. Voilà, ils font longtemps, à Carissé. Mais Gouya, de qui ça veut parler? Pendant que Mme Lalime Aristide a brillé à près de la rue, on ne parlait que de ça. Brillé à courir, même l'an, débarqué, quand Jean-Marc Aristide lui bat le pouvoir. Je parle longtemps de vous dire la Valassie. Aristide a tourné sous pouvoir. Pays a pris du feu. Du nord au sud, de l'est à l'est. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous pensons même fondé un nègre. Monsieur Lalime Aristide, monsieur Lalime Aristide, monsieur Lalime Aristide, là, il est là. Il dit, qui bat Aristide? Il dit, c'est Aristide qui a vu le président encore. Il dit, menti, qui côté, qui Jean? Il dit, oh, ben, un peu oui, oui, c'est vrai, oui. A mon tour, mon cher, monsieur fait comme si le coup de bagarre puisse passer. Je lui dis, non, c'est Aristide, mon cher. Blanc, vous les mettez. Monsieur dit, non, mon tour, avant, il va dans le jardin. Moi, deux paysans qui ont coupé un bois. Et bien, des ces paysans, paysans vous demandez qui est ce qui est tout bien vrai. Ça dit pas l'arrivée dans tout le coin d'un pays, il y a Aristide par le président, mesdames et messieurs. Mais est-ce que vous voulez me dire exactement de quoi il en est? Il n'a jamais été question. Il n'a jamais été question. Dans cette rencontre, de proposer Jean-Bertrand Aristide pour venir diriger la transition. Vous voyez, samedi là, nous avons marché répété tout partout. Il n'a jamais été question que Blanc proposait Jean-Bertrand Aristide pour venir président de la transition. Pendant le compte ça,
selon ce qui m'est rapporté, selon ce que j'aime bien qu'il s'est dit, entourage lui, je passe en revue la situation sociopolitique en Haïti, mais surtout parler de la situation d'insécurité qui prévaut en Haïti. Comment tout acteur, comment ici de résolution, comment tout acteur est capable de mettre pour nous sortir de ça, il n'y a pas oublié, donc. Madame Laline, c'est une principale monde qui te dit que, avec la fédération des gangs, criminalité a baissé en DPR. Il ne faut pas oublier ça, mesdames et messieurs. Donc, Madame Laline passe au Banta Karicide, il a parlé du pays. Et Jean-Marie Karicide dit, jamais, pendant le compte ça, cette question n'a été abordée, jamais on lui a proposé de devenir président. Maintenant, une considération que nous avons faite. Pour tout ça, pour Jean-Marie Karicide accepter une offre comme ça. Pour nous-mêmes, et ça, c'est notre position, le conseil est un cadeau empoisonné. On est qui prend deux coups d'État, c'est même blanc qui balil, mélange à haïtien. Nous sommes là depuis pratiquement 7 à 8 à 9 ans, de monsieur là, ma soeur est inexact. Monsieur a consacré à l'éducation, monsieur a bain le pain de l'instruction, monsieur a formé les jeunes à tous les niveaux. Monsieur a formé la relève pour payer ça. Monsieur Valguet Pigou, l'hôpital universitaire, dit-on, même de la Caraïbe, c'est ce qu'on rapporte. Eh bien, on pense que Jean-Bert Aristide, après l'article qui est sorti là, qui bat monsieur, qui est plutôt devant la scène, tu as accepté, on va comme ça. C'est si on t'a proposé. Donc, Aristide, qui déjà a investi dans toute bagaille ça, dans le pays, mesdames et messieurs, même pas qui intérêt pour Jean-Bert Aristide à gagner pour le talbé prendre deux ans de transition. Mon pays à genoux, mon pays décrémé, mon pays tombé mal cadi, si vous me répétez, parole vite à Clinton, pour qu'il savoir ici d'accepter un pouvoir. D'abord, la main blanche, dans un mauvais temps, Aïssi t'a totalement renié avec toute saleté qu'on a dit, toute saleté qu'on a fait, toute saleté qu'on vende comme valeur, en acceptant que le blanc, sans élection placée dans le pouvoir, c'est-à-dire que M. Tab renié tête totalement, même si dernier qui était toujours reproché, qu'il était tourné avec blanc dans le pays, mais il a toujours des circonstances atténuantes qu'il a expliqué, mais fois ça, si M. Tab accepte pour le pouvoir dans le blanc, sans élection, pour même c'est un suicide. Deuxièmement, j'avais Aristide, je dis à, pour M. Tab là, partir là tout à point point. Nous sommes intéressés selon nous-mêmes pour consolider parti là, dans la perspective des prochaines élections pour le pouvoir ou pour aller tenter le pouvoir. D'ailleurs, nous-mêmes, je me disais si David prend le pouvoir là, je vous le garantis, c'est un cadeau empoisonné, un pays gangstérisé, un pays économique à genoux. Le pays divisé, polarisé, on ne peut plus, ça a été un suicide, mesdames et messieurs. Donc, Jean-Bert Aristide, en aucun cas, pas capable d'accepter le Bible. D'ailleurs, si c'était vrai que Mme Laline, si c'était vrai que nos démarches pour que Aristide vienne dans le pouvoir encore, moi, ce n'est pas les médias qui t'ont connu en un paquet de monde. Qu'il y a des blagues dans le micro. Nous avons dit, nous avons connu. Et ça fait qu'il y a un bon monde qui n'a pas connu tout depuis que nous n'avons pas parlé de lui. Il y a un bon monde qui dit, depuis Assad n'a pas parlé de ça, il n'a pas connu. Ça, c'est sans fausse modestie. Parce que nous avons un journal crédible. Le Napoléon Baguette, Napoléon Baguette de qualité. Mais il faut nous rappeler, mesdames et messieurs, Madame Laline Basson m'a rencontré avec
Et je m'étais ici. Il a montré notre leader. Il a rencontré Jocelyne Privert, par exemple. Oui, Mme Lalime a rencontré Jocelyne Privert. Et c'est pas sans raison, tandis que Mouniabdo, si c'est pas privé, c'est pas réussi, c'est privé. C'est comme si nous commençons à accepter tout le monde, nous presque d'accord. C'est blanc qui peut bailler pouvoir. Et nous allons accepter tout que blanc bat. Nous pas respecter tête, non. Donc, effectivement, on vit dans le pays, d'autorité légitime qui a dirigé le pays. C'est vrai que le pays, nous sentons que nos besoins sont dans cette année-là, mais cependant, on ne peut pas faire promotion comme quoi c'est blanc qui a mis les gens sous pouvoir. C'est vrai, le fait. Je te mettais Martelly, par exemple. Qui était quatrième de l'élection, je prends, je coule les Juifs, et puis je mettais en face de Maniga, parce qu'on est à battre Mme Maniga comme du fait. Dans la deuxième élection, on bat Mme Maniga. Mais au moins, là, c'est un simulacre élection. Mais là, quand il y a son blanc, quand marché dit qu'on est sous le président, c'est grave. Et connaissant Jocelyne Privert, un légaliste qui est très à cheval sur la Constitution, il va reprimer ta prêter de bagage à tout. Et toute information que nous gagnons, cette question n'a jamais aussi été abordée avec Jocelyne Privert, mesdames et messieurs. Mais quel est le problème, Madame Lalime? Madame Lalime en difficulté, mesdames et messieurs. Madame Lalime, il y a presque 3 ans là, alors qu'il devine là pour la stabilisation, il devine là pour pacifier, il devine là pour l'aider, pays à vivre plus mal. Et bien, Madame Lalime, il n'est pas qu'à défendre devant les Nations Unies. Madame Lalime, il y a une rumeur, il y a beaucoup de courir sous route pour nous retirer Madame Lalime, qui a totalement et piteusement échoué en Haïti. Eh bien, Mme Lalime qui apprend que le sou pour changer, retirer pour inefficacité, Mme Lalime a bien l'impression que la travaille. Et c'est pas sa raison, on fait tout le bruit ça fait. Il était calme quand il m'a ici dans la nuit, il était calme 2h du matin, il était calme n'importe qui là. Mais on fait bruit pour montrer que il était rencontré Jean-Baptiste Aristide. Oui, j'ai rencontré Jean-Baptiste Aristide, l'ex-président populaire d'Haïti. J'ai rencontré Jocelyne Privert, un homme qui a dirigé Haïti et qui, avec l'argent de l'État haïtien, a depuis du fait que l'État n'a pas de bail à l'âge, monsieur fait élection. Donc, deux mois, c'est monsieur Gambadan là, et madame ça Gambadan là, et bien, qui a fait un rapport, bah, c'est super gâché pour dire que non démarche pour le commun capable d'une solution à la crise du pays d'Haïti. Madame Lalime qui se comporte, madame, monsieur, comme, pardon, qui se comporte véritablement comme principal chef du pays d'Haïti. D'ailleurs, tout le monde nous l'a carré, Mme Lalime, quel c'est le Premier ministre, quel c'est le leader politique dans le pouvoir, quel c'est le leader politique de l'opposition, ils ont tout. Alors que Mme Lalime, c'est comme si Mme Lalime qui dirige en sous-main le pays d'Haïti. Je vous le dis, mesdames et messieurs, Mme Lalime est en perte de vitesse. Mme Lalime, la situation côté que le sous-route pour retirer. Parce qu'il est pratiquement échoué, et bien la marche contre le monde, comme pour montrer que la travaille. Donc cette histoire, que Jean-Bertrand Aristide aurait accepté, ou bien bon démarche qu'a fait pour mener Aristide dans le pouvoir, pour Aristide devenir président de la transition, mais je dirais, et j'ai dit, c'est archi faux, mesdames et messieurs. Il y a rencontré Jocelyne Privert, il y a rencontré notre leader, tout, mais comme Jean-Bertrand Aristide, son gros nom, son gros pion, et bien les abdés passés, il faut faire bouillir avec. Et il y a des bagages, mesdames et messieurs, Aristide rit. Qu'est-ce qu'Aristide dit? Aristide dit, comment ça va passer? Aristide dit, il y a un vide de pouvoir. Donc, nous, on a cherché le monde qui vous dirige. Aristide nous disait. Il dit, comprenez ça qui est. Je ne dis pas même quoi c'est Mme Lalime qui dit ça, mais c'est ça d'ailleurs, non? Il dit que bon vide de pouvoir, donc la population a cherché pouvoir, a cherché qui est qui vous dirige le pays. Je vais être ici, dans ces conversations, monsieur dit, à aucun moment, cette question n'a jamais été abordée,
Et ni quoi, mesdames et messieurs, c'est ce vide de pouvoir en Haïti qui fait que Mounio, population, moins d'un âge. Mais en même temps, mesdames et messieurs, ça passe à son test pour Jean-Baptiste Aristide. C'est son test qu'il a fait pour ouais, ça a essayé de vous présenter, je crois qu'il a joué. C'est-à-dire, 15 jours qu'il va venir, après deux coups d'État, Jean-Baptiste Aristide était un leader incontournable dans le pays d'Haïti. Jean-Baptiste Aristide ne passe pas inaperçu. Jean-Baptiste Aristide ne laisse pas indifférent qu'on le l'aime, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Jean-Baptiste Aristide, mesdames et messieurs, c'est son test qu'il a passé. Dans tout pays, la valace est mobilisée pour le pouvoir. Mais Mabdi, si nous devons mobiliser pour le pouvoir, mobiliser pour le pouvoir dans l'élection, mesdames et messieurs. Mobiliser pour le pouvoir dans l'élection, parce que j'aime être ici, pas qu'à aller au matin pour blanc et les, je dis, ma mito au président. Et si ça t'a fait, comme d'hab de Emmanuel, ce serait la fin de l'histoire. Parce que Blanc finit avant tout le jour. Alors, c'est qu'il était président en 1997, il parlait que tout le monde en 1994. Et ça tourne après deuxième exil, il n'y a pas même monde toujours. Donc, voici Blanc, quand on a un cadeau, pas on est comme ça, ici qu'on a une grande tension, c'est qu'il y a l'impression qu'on tire du feu, qu'il y a un peu de bougeonné, et bien, il va l'éteindre définitivement, mesdames et messieurs. Et samedi, nous là, nous mettons machine à compter tout côté, nous mettons répéter tout côté, c'est de ça qu'il s'agit, mesdames et messieurs.